Eh bien salut à tous et à toutes, c'était TGC et Shadowken, salut. Salut, salut, on se retrouve maintenant pour continuer notre aventure sur Twilight Princess avec le premier temple. Voilà. Et je suis allé remplir au marchand mon petit flacon. Voilà, on l'a un peu volé. On l'a un peu volé, voilà, on lui a donné un petit rubis. Bon. C'était un flacon de quoi? Un flacon d'huile? Flacon d'huile. D'accord. Et le rouge c'était la vie. De la potion de soin. Voilà. Oh, on n'en aura pas besoin, attends. Parce que plus tard ils nous donneront des fées. D'accord. Ce qui sera plus utile au début, puis on a déjà du lait qui nous rend des cœurs, donc c'est pas... Je vois, je vois. Et je vous présente le premier temple du jeu. Ça y est, ça doit pas être un truc très très fou, c'est jamais compliqué les premiers temples. C'est pénible parce que j'aime pas les temples de la forêt de base, donc le temple de Sylvestre. Sauf celui de Minish Cap que j'avais adoré. Il était très stylé, c'est sûr, ouais. Qu'on était dans un bidon et tout, il y avait un... Ouais. Je le confirme. Il était très sympa. Mais voilà, je suis pas un très très grand fan des temples de la forêt en vrai, de manière générale. Très moche et j'étouffe en la regardant, je sais pas. C'est un point de vue... La Wiimote. Parce que j'étais sûr qu'il y en avait une en... Faut que j'arrive juste à me mettre sur mon pointeur. Ah non, c'est dégueulasse là, tu veux bien. Ah, quoique. C'est vraiment, franchement, genre quoi. Oh, c'est affreux. C'est bon, je vais. Ok, c'est bon. C'est, franchement, genre, c'est vraiment affreux. J'aime pas du tout le... La maniabilité, vous mettre comme ça. Tu l'as mis à l'envers. Ah non. Non, non, il est à l'endroit. Merci, je sais mettre un capteur. Mais non, mais c'est mon capteur, il est un peu vieux. Du coup, il marche plus très bien. La base. Ça ferait un moment que je l'ai. Je crois que je le change. Bah, ça doit coûter cher, hein, si t'en trouves, non? Je crois qu'il avait coûté 20 euros. Non, ouais, mais bon, déjà, il coûte plus cher. Déjà, entre le micro, le HDPVR, tout ce genre de trucs. Je suis Nintendo, il a coûté plus cher maintenant. Bah non. Oui, ils n'en produisent plus, donc si on en fait, c'est pour 100 euros. C'est vrai que le cadre qu'on a pour la vie de il a coûté 100 euros de base. Hein. Enfin, il devait coûter 100 euros. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas 100 euros pour un cadre. Déjà, on libère un singe. Ah, mais c'est ça qu'il nous avait dit. Ouais. Et pourquoi c'est il fait la lecture à chaque fois? C'est une pitié. C'est ça. Il dit, regarde. Enfin, c'est elle déjà. C'est... Mais j'adore ce singe. C'est bon, vas-y, c'est mon personnage préféré. Et ce n'est pas lui qui t'a volé ta lanterne, encore que il faudrait plutôt dire elle. Et ben alors, tu vois bien qu'elle te fait signer. Tu plais beaucoup, femme, on dirait. Merci Minona. Et à toi, est-ce que je peux pas? Dans ton taille, oui, peut-être. Ah là, Thomas. Bah, ouais. Minona, elle est mignonne. Bon. Un petit lutin bizarre avec un oeil. Elle fait flipper parfois. C'est vrai ça. Ouais, arrête de couiner. Mec, je te jure, j'adore ce singe. Ah mais tu sais que, en fait, genre tout le temps on va se passer avec des singes. Ouais. Ouais. C'est même. Non. Ouais, tu vas devoir sauver tous ses potes en fait. Ah mais j'adore. J'adore Knorr. Knorr, j'adore. Ah, je me rappelle le temple de la forêt, je l'avais pas du tout aimé dans le Wind Waker. Oh, il est pénible dans Wind Waker. Oh, il est horrible. Ouais, avec les pics, c'est pas des ronces de partout. Ah, oh, ouais, il est fou. Oh. Allez. Dis l'araignée. Elle bloque tes coups. Non. Elle bloque pas mes coups. Oh, mais ça reste pas un coffre qui flotte. Qui flotte. Qui flotte. Hop, c'est l'enferme. Peut-être qu'il faut les rallumer. Ah, chasseur. À moins que... Est-ce qu'il n'y a pas une bombe? Oui, il y a une bombe. J'allais faire la béquille. Parce qu'après, ils n'auraient pas pu. Bon, d'accord, les bombes nous attaquent ici, mais... Fuyons! Ouvrons le passage! Pourquoi t'as pas fini à mettre les lanternes? Parce que ça fait monter les trucs et qu'après, j'aurais pas pu accéder à ce coffre. Voilà, bon, c'est un rubis au bouge, mais bon, c'est... Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais de toute façon, on va faire tous les coffres, hein, donc... Parce qu'après, tu sais pas forcément... Et je te rappelle qu'il y a deux fragments de cœur à trouver dans le temple, hein. D'accord. Et dans mes souvenirs, ils sont après le mini-boss. Donc ce sera à toi de les trouver. Il y en a qui flotte. Ouais, c'est ta tête. Non, c'est la boussole, c'est... C'est ta tête, c'est la boussole. Il me semble. D'accord. Mais je peux pas l'avoir maintenant. Je ne peux point l'avoir maintenant. Hop. Oui, par ici. Oui, j'ai mis... Allez. Aïe. Faut lui donner un nom à ça, lui. C'est Jamie. Jamie? Voilà, Jamie.
C'est pas un nom de film. J'y ai pensé. La carte du donjon. Déjà c'est pas mal, donc déjà on va faire un petit check-up comme d'habitude. Il est grand le donjon. Non, c'est pas plus, c'est 1 je crois. Ouais, c'est 1. Wow, bon, il est grand, mais ça va, franchement, non, mais c'est sympa. T'as qu'un étage, c'est tranquille, et la pièce au centre est très petite, hein, comparé à ce qu'il te donne. On va y aller, tu vas le voir. Tu vois, en fait, vraiment, franchement, sur cette pièce, t'as 2 ponts, tu vois, genre, t'as 3 ponts, pardon. Donc, vraiment, c'est une petite salle. Ouais. Ça paraît juste immense. Non, franchement, c'est pas énorme comme temps. Hein. Ça va, en 2 épisodes, c'est tranquille. Faut que j'arrête de bailler quand je dis ciao. Il faut que t'arrêtes de bailler tout court. Oh, regarde, y'a un singe méchant qui nous attaque à coups de boomerang noir. Y'a pas ton gros cul, hein. Peut-être. En tout cas, le boomerang, et il monte ses fesses. Mon gars, je te jure, qui se tente. En tout cas, moi, je suis sûr, hein, franchement, genre, le mec, il a un boomerang noir. Il nous monte ses fesses, il narre. Avec les fesses roses. Chez moi, ça veut dire que c'est le mini-boss et qui tient l'objet du donjon dans la main, mais c'est pas grave. Eh, mais qu'est-ce qu'il nous prend? Il nous a fait signe d'où est-ce qu'il fallait envoyer boomerang. Bah là, il s'est cassé. Bon, bah, tu ne peux plus passer, retourne sur tes pas. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire, mais elle a l'air de vouloir te montrer le chemin. Je serai toi, je la suivrai. Je te suivrai partout. Ah bon? Jamy. Ça s'appelle Midona, ça. C'est le gars Midona qui te dit de suivre quelqu'un. Elle donne un conseil pour une fois, t'as suivi ou pas? Alors, regarde, alors là, ça va être une mécanique du temple, mais vraiment très intéressante. La petite face du singe, regarde, c'est magique. T'as pas vu ce que j'ai fait? Si, j'ai vu. Ouais. C'est comme McDonald's, mais avec le singe. Ouais. C'est ça. Pas d'araignée, et ce truc sert absolument à rien. C'est juste pour ça qu'il y a un peu pour rien pour voir. C'est ça. Ou alors, tu regardes avec la vision comme je viens de faire, et ça marche très bien. Oula. Peut-être qu'avec le sens du. C'est noir, attends. Non, mais tu peux pas te transformer en loup dans le. Il range un peu mal en temps quand même que. Et. Ah, on va trouver un truc intéressant. Une mécanique très intéressante des temps. Il piège la bombe. Voilà. Donc je vous présente un personnage important du jeu. Tu flippais ce truc. Ah, ça va mieux. Je n'arrivais pas à sortir, j'avais le bas du dos coincé. Mais heureusement tu m'as tiré de là, merci beaucoup. Personnellement, je suis ici à la recherche de quelque chose de bien précis. Jeune homme, tu n'es certainement pas venu en ce lieu par hasard, je me trompe. C'est pas une poule Zora. Pourquoi ne pas explorer les environs ensemble? Je t'expliquerai après ce que c'est. Cela ne se voit peut-être pas, mais je peux être très utile. Parce que si j'explique maintenant, je spoil tout le jeu quand même. Donc si tu te retrouves coincé, je peux te téléporter à l'extérieur. Alors ne me considère pas comme un objet inutile de plus, essayons de faire bon ménage. Baba est devenue une amie, elle peut vous faire sortir d'un donjon ou vous y ramener dans la pièce où vous l'avez utilisée, oui. Elle est tête d'œuf, hein. Ouais. Oui, et elle a même un fils. Et son fils, c'est juste la tête qui vole. Voilà. En gros, ça nous permet, non, vraiment, genre, c'est un truc très très pratique. C'est vachement dérangeant comme personnage. Hein. Baba est très très pratique parce qu'en gros, elle nous permet de sortir du donjon. Donc quand tu veux pas finir le donjon, plutôt que de, tu sais, quand tu sauvegardes des kits dans un donjon, d'accord, tu réapparais à l'entrée. D'accord. Donc là, tu utilises Baba, tu sors, tu sauvegardes des kits, et quand tu reviens, t'as plus qu'à réutiliser Baba pour re-rentrer dans le donjon là où t'étais. Je vois. Donc, ça sera quoi le lit? Le lait, ça te restaure 3 cœurs quand tu bois et t'as 2 doses. Waouh! Je me suis pris une étoile invisible qui était en train de brûler. L'effet graphique. Ça prend tellement mon gars t'arrivais, t'as fait non, merde, c'est pas de là. Et là. Le coup d'œil. Oui, mais j'aimerais juste la cibler. Oh non, je dois faire au capteur! Ah, faut pas que j'aille trop vite en plus. C'est. Ah, j'aime pas le capteur. Je le sens qu'on m'en. Okay. Non, mais genre, je sais pas, me détecte plus. Ok, très bien. Mec, va falloir que tu te calmes le capteur. Les aléas du direct, on est pas en direct du tout. C'est pas grave, allez, on s'en fout. Allez hop. Belle effet, YOLO. Il marche plus ton capteur. Ouais, non, mais je pense que je dois juste changer les piles, ça marchera mieux. On fera ça entre les épisodes. Je pense, ouais, c'est une question de piles. Je pense que ces piles sont un peu dead. Oui. Ah, genre c'est la sculpture là, comme ça là. Sculpture là, ou... Bah ouais, c'est jeté à l'eau. Le chien avant d'arriver. Et guédé, et je l'ouvre comment ta porte, Google. T'es débile toi. Il aime pas les animaux, il dit qu'il passe dans la qui sont débiles et tout. Thomas quand même. Ouais, j'avoue. SPA, appelez la SPA. Appelez la SPA. SPA! Il y a le bouton de la chemise qui s'est. Merci.
Genre cette information était très pratique. Ah mais non, je sais où il faut aller, faut prendre cette porte en fait. Genre c'est l'autre là qui me dit n'importe quoi. Tais-toi un peu, laisse-moi prendre la porte. T'as dit n'importe quoi. T'as dit qu'elle était fermée. Non mais l'autre est fermée. Ah. Celle où je... En fait elle veut que j'aille dans une porte qui est fermée. J'ai traversé. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je fais des roulades. Ah là là. Il va ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que ça lui apporte? Rien du tout. Une nouvelle salle. Une nouvelle salle qui sert à quoi? Ouais. Oui. Qui sert pour l'instant à rien parce que de toute façon le vent ne passe pas dans les salles donc ça fait pas tourner la plateforme au centre. Donc pour l'instant on peut pas faire grand chose. Jamais c'est mécanique avec le vent. Ouais. Et on a obtenu la petite clé. La petite key. The little key et du coup on va pouvoir aller là où elle voulait que j'aille. Vite, vite, Jamie m'attend. C'est Jamie, il va falloir donner un nom à tous. Non, on va faire que Jamie. Les autres ce sera Jamie 2. Ah, qui vont nous suivre aussi. Ouais. Bon, le prochain ce sera Franck. Non, ce sera Jamie 2, ce sera Jamie 3, Jamie 4. Non. Un Jamie et après on a Franck. Non, on les appelle Jamie. Non, on les appelle Jamie. Non. Ah, tu te tais, c'est moi qui n'ai pas. Non, Jamie. J'ai jamais dit ça, mais perso. Oh regarde, Jamie 2 est là. C'est Jamie. Mais Jamie, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Jamie, j'ai pas d'amis. Faut que j'arrête les jeux de mots. Ah c'est un mec, ah oula, c'est une série. Oula. Censuré, moi j'y suis. Censuré, oh ouais, je veux être censuré de mon pote, si j'y pense. Mon dieu Zelda. Ah, mon capteur remarche. Oh là, regarde. Ouais, mon capteur remarche. Bien. J'ai pas montré longtemps, il a marché. Regarde, mais comment je vais faire? Mon dieu. Bam. Je vais péter le dos mon dieu comme ça là. Alors regarde, il y a ses potes là comme ça. YOLO! YOLO, il va l'attaquer Jamie! Il va attaquer Jamie, mais Jamie. D'accord, ok, je les ai tellement moins de jeu, je voulais faire un coup de grâce et tout, mais. Ok. J'ai compris. Voilà, c'est trop fort ton coup. Toi, c'est toi. Regarde, là, ils vont nous faire sauter. Ouais, tu vois, c'est Jamie et Franck. Non, c'est Jamie et Franck. Jamie et Jamie 2. Et... Voilà, c'est pas la peine parce que tu vas pas appeler par son vrai nom. C'est Franck. Non, mais le premier en plus c'est Jamie donc. C'est Jamie et Franck. Non, c'est Jamie et Jamie. Franck. Tu vois, ça a marché. J'aurais dû faire exprès de parler. Ah, mec, j'adore leur petit cul. Et après, c'est pour moi qu'il faut appeler la SPA, quoi, je veux dire. Mais regarde, je suis désolé, c'est dit génie. En plus, ils me suivent maintenant. Ah ouais, d'accord. Tu te fais des potes. Ouais. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je passais devant le coffre, mais genre, déjà, on peut pas trop l'activer. Mais genre, je sais pas, genre. Ce coffre, elle a un peu big. Tiens donc, on traînerait pas la clé du boss par hasard. Non, hein. Pas du tout. Pas du tout la clé du boss, hein. Vraiment pas. Voilà. C'était la clé du boss qu'on vient de voir, tout simplement. Boum. Nous sommes de retour. Tandis que Jamie me fait un pont. Mais Franck, tu nous rejoins. Non, c'est Jamie. Mais Franck, non. Et regarde, maintenant ils sont deux. Ils peuvent toujours dans le sens où on voit leur petite fesse. Voilà, ça c'est la phrase parce que tu l'appelles Jamie. Voilà. Parce que c'est Jamie, je suis désolé. Tu l'appelles Jamie, j'ai tombé, c'est tout. Il s'appelle Jamie. Je t'appelle Jamie. Voilà. Tu vois, t'appelles Jamie. Non, de toute façon, c'est moi qui décide les noms, c'est moi qui joue. Ils ont un truc qui les différencie. Bah, le premier, c'est une botte, elle a une fleur sur la tête. Ouais, et le deuxième, ouais, c'est des plantes virulentes, genre elle essaye de bouffer. C'est les rouges. Ouais, mais genre, il va me bouffer si j'essaie de. Ah ouais, c'est toi qui bouffe, qui t'aspire la vie, et les pièces. Non, ça te bouffe et ça t'enlève un cœur. Pour éviter de lui sauter dedans. Tu peux pas le tuer. Si, avec une bombe. Mais il faut lui jeter une bombe à la bouche. Et genre, je pense que t'as compris que... Ouais, et il y a un corps trop dedans. Ah ouais, même je sais qu'il y a plus qu'un corps. Tu vois, genre, hop, bon. Et même quand tu sautes au-dessus, genre, elle t'absorbe comme ça, comme elle a fait pour la bombe.
D'accord. Prends là-bas. Ah, elle meurt. Ah, regarde, ils en sont. Non, parce que si je te dis, si je sautais normalement, genre elle mourrait à la chopée, elle mourrait beaucoup. Elle mourrait beaucoup. Là, il va me falloir une bombe. Là-bas. YOLO! Ça, c'est pratique, tu vois, genre quand tu peux viser comme ça, c'est tranquille. Là, il va me falloir une bombe. Ah, j'aime bien cette animation où tu t'accroches avant de. Ouais, c'est sympa. Hein. Genre, c'est quand tu t'accroches in extremis. Bon, on va d'abord voir ce qu'il y a dans cette salle. Ah, bah, oui. Ah, lui, c'est. Lui, c'est Hugo, c'est le chef du clan. Il a pas de poils. Non, le chef du clan, c'est le mini-boss en fait. Ah, ouais, bien. Il s'appelle Alpha, par contre, lui, il a un nom. Le chef du clan. Oh, mais tiens donc, la clé s'appelle Goku. C'est pas très original, Alpha, quand même. Enfin, il a vomi dans la bouche de l'autre, l'autre, il a mangé. Bah, c'est en fait une plante ancien bleu. En fait, c'est chier dans le cul, il a aspiré. C'est vachement chelou comme créature. Non, c'est une plante qui vient ancien bleu. Il a vomi dans son. Ouf, oh, tu m'as fait mal. Je suis bon, t'inquiète, mec, je suis bon. Je suis pas fait en gros. Là, je suis. T'as du bluff. Pas eu le temps de la bouche. Non. T'as fait la ration. Ah, ouais, peut-être. Hop, un petit cœur déjà. Pas de mal. Ouais, t'as pas la ration. Ouh, il est chiant, c'est dans la bouche. Ça paraît compliqué de taper la racine là. Non, tu vois. Non mais je pense qu'il faut juste... Non tu vois ouais, vraiment juste cette avis. Bon là ça devient classique, genre il va s'ouvrir et tu lui balances une bombe dans la bouche. D'accord. Hop, tu prends la bombe comme ça là, bam. Ouais les bombes c'est des scarabées. Ouais en fait c'est des bombes insectes. C'est cool ça. C'est que dans ce niveau... Link que dans ce temple ou c'est... Après tu peux en acheter. Des créatures là, dans ça. Ouais. Mais ça sert à rien, quand t'as les bombes normales en fait c'est beaucoup plus pratique. Ça fait mis sérieusement. Ouais. On s'est fait pour hein. Bah quand même le jeu ça rapporte beaucoup moins vite quand même. Bam blablabla. Merci ça fait putain. Voilà, bam. Et là, une clé. Et un cœur. Et un cœur. Et là je comprends pas la clé parce que je m'en fous des singes en gros. Genre, de toute façon, je les aime pas les singes, j'ai jamais aimé les singes. Ah, d'accord, ça va. Allez, on te libère! Après Jamie et Franck, c'est ça? Non, après Jamie et Jamie. C'est un mec ou une fille déjà? Lui, ça doit être un mec, je pense. Il a pas de fleurs. C'est sympa. Genre, la vie. Il divine pour un mec. C'était une fille. On s'excuse auprès de tous ceux qui portent ces prénoms là quand même. Je tiens à signaler, on n'a rien contre vos prénoms. Moi j'ai le prochain l'appelle Shady. Le prochain c'est non, c'est toi qui joue en Thomas. Non on l'appelle Shady. Mais d'où tu me tapes toi? De bombes insectes. Voilà dans les fesses du singe. Gratté. Tu veux faire quoi? En gros, je sais pas si on le voit, mais tu vois, t'as une espèce de plante qui bouffe. Tu vas y aller du temps. Bah non, mais en gros, il faut la tuer quoi. Parce que là c'est la mémoire qui parle, mais je parie 20 euros qu'il y a un quart de cœur. Enfin, un fragment de cœur. Non, tant pis, ok. Là, ça sert à rien pour l'instant d'aller par là. Bah non, non, mais mec, un fragment de cœur. Un fragment de cœur. Ouais, c'est vrai, il faut en faire 5. Non mais en plus on le fait à 100% le jeu, je te rappelle. Enfin, à 100% non. On fait tous les fragments de cœur donc il faut qu'on trouve tout ce détente. Trop tard, je crois. Mais... Victime. Ah ça me saoule. Ça me saoule. Vraiment, vraiment. La mécanique de la Wii. Vraiment ça me saoule parce que normalement quand j'agite la Wiimote il est censé le lancer, pas le poser. Mais un seul coup, il perd de temps, je sais. Faut pas avoir toi.
Non, ouais, je peux l'avoir. C'est tranquille. Mais pourquoi Link? Oh, mais son deck, ça me saoule ça. Ah, c'est le bouton pour l'avancer. Mais non, le bouton c'est posé. Ouais, ouais. Ah, à moins qu'en courant. Genre là, c'est posé. Ah, ouais. Non, mais en courant, c'est là, ça. Ouais, attends, du coup, je vais le gagner. T'as bien le temps de la poser, hein. Là, qui joue avec des bombes. C'est marrant, les bombes. Et là, elle arrive à me taper parce qu'il y a la barrière qui m'empêche de la taper. Non, c'est la barrière. C'est la barrière. J'ai pris les dégâts, je m'en fous. Vraiment, vraiment, je m'en fous. La violence de Link. Je veux juste aller libérer les autres singes, en fait. Appeler les sociétés protectrices des cailloux. Ce jeu est très violent, c'est en lui-même. Oh, oh, dans cette salle, il faut que tu t'en souviennes, il faudra qu'il revienne. Moi? Ouais. Dans la deuxième partie. Ah. Il faut l'objet du donjon pour pouvoir avoir le fragment de cœur qui est dedans. Ça, c'est mémoire qui parle aussi encore, tu vois, genre. Non, mais vraiment, je m'en souviens pas mal de ces trucs. Alors déjà voilà, ça c'est pénible. Voilà, déjà, faut pas leur marcher dessus. D'accord. Faut leur pisser dessus. Faut juste les éviter. Je leur dis... Comment tu sais les gazer? Tu les vois des fois. Genre regarde tout. Voilà, là, je suis discret. Genre celui-là, tu vois, il s'est pas soulevé, il m'a dit, oh, vas-y, okay. Ah, je suis bon. J'ai lui marcher dessus là. Je vais rentrer avec toi. Peut-être qu'ils se déplacent encore, sous les pas. Non. Non, mais avec l'objet du donjon, c'est tranquille pour les éliminer en fait. D'accord. Toi, t'auras pas de soucis. Mais il faut l'objet du donjon, quoi. D'accord. Il y a une sorte d'araignée au-dessus. Ouais, j'ai plus de vie. Pour un bois du lait. Je peux utiliser le lit quand même. C'est une chose, ça. Il me sert en cas de fouté, donc. Là, c'est pas rare. Et que ça va, genre. Dieu meurt. Si je meurs, je pense mourir. De toute façon, ils m'ont claqué en fait. Ah, allez, garantie. Ouais, sûrement. Mais en gros, ils m'ont claqué donc. Ouais, c'est bon. C'est... Faut juste que je trouve la clé. Mais. J'aime pas ce bruit qui te dit que t'as plus de vie. Quoi? J'aime pas ce bruit qui te dit que t'as plus de vie. C'est bon, mais il est plus. Le jeu, il est gênant. Ça, ça, ouais. Ça stresse. J'imagine, mais alors vraiment vaguement. Ah, c'est lui là, c'est rien qui est. Ouais, non, j'imagine que c'est le coffre en face qui est. Ah non! Ok, c'est bon, je sais qu'il est dans mon coffre. Tu sais quoi? Je préfère passer par l'eau encore. Même si c'est de l'eau dégueu dans un temple, je m'en fous. Bun! Mais t'as vu, le coffre il tombe bien à l'endroit et tout. D'accord. C'est calculé tout ça. Oh, le planète. Voilà, c'est Francine qui t'a dit où elle était. Francine? C'était pas Ludivine? Ah, Ludivine, pardon. C'est la prochaine Francine. Ah, le mec, genre, il oublie comment il les appelle après. La prochaine, ce sera Francine. Non, je suis à l'eau! Peut-être ne pas te faire victimiser par les claques, c'est ça. Ah, mais c'est... franchement, genre, cet ennemi, c'est relou ton que t'as pas l'objet. Bah, bon, après, c'est tranquille. Non, mais vraiment, je suis sérieux. Ouais, l'objet, c'est le bottes. Mais non, tu verras. Mais mec, c'était le boomerang noir qu'il avait. Ah. Du coup, c'est... Non, parce que sur les styles, t'as les bottes Iron Boots, tu leur marches dessus, ils peuvent rien faire. Ah, je sais pas si ça fait quoi si tu marches avec les Iron Boots. Bah, ils peuvent pas te lever. Ah, je sais pas. Ou alors tu te rends plus violemment. Je pense que tu prends juste des dégâts. Tu voles pas, mais tu prends des dégâts. Ruby rouge, trop bien. Et maintenant, allons sauver ton collègue. Je déteste ces plaques. Vraiment, genre. Après, ça me dérange pas, tu vois, genre quand j'ai l'objet, parce que c'est tranquille. Tu mets un coup de boomerang et c'est fini. Ah, c'est le mini-boss, c'est ça. Tu vas donner. Ouais. Là, on est bientôt au mini-boss. Et regarde. Ok, j'ai rien dit. Je voulais faire le monstre. T'as de bouger en fait. Ouais. Mais je bougeais pas, mais. Voilà. C'est Francine. Ouais, on a Ludivine, Francine, Franck et Non, on a Jamie. Et Jamie. Jean-Louis. Jamie, Jean-Louis. Ludivine et Francine. Ludivine, Francine, ça marche. Ha!
Je t'ai évité, ville, créature du démon. Bloup bloup bloup. Bloup bloup. Au moins, on peut pas dire que je suis pas propre, hein, j'ai pris mon bain. C'est clair. Donc, c'est assez rare que Link se lave durant ses aventures. Bah ouais, si, et dès qu'il va dans le genre de l'eau, il se lave. Hein. Ouais, bon. Il se noie surtout. Bon, il faut qu'on tente d'obtenir. Surtout celui d'Ocarina. Hein. À moins, au pire, je peux la spell first. Je vais faire un dernier essai. Allez, bon. Pour avoir le machin là. Non, mais tu fais tout, hein, moi, je fais pas ça. Non mais ce sera plus simple avec l'objet de donjon. Ok, tu feras avec l'objet de donjon. Ou alors je vais vraiment essayer avec l'autre, mais Tu peux ramener la bombe avec l'objet de donjon. Oui. Avec le boomerang, oui. Genre à distance, tu peux ramener. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait c'est beaucoup plus simple du coup avec le... Parce que là je suis même pas sûr. Ouais, donc tu vois, j'ai pas eu le temps. Pète à la gueule. J'ai pas eu le temps. Non, vraiment tu le feras, mais c'est pas grave, je change en spécial. Ok. C'est pas très complexe quoi. Oh. Et normalement du coup on a fini cette salle. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Bam. Et on va rentrer dans la salle principale. Bam. Et ça c'est la nouvelle salle. C'est Francine. Francine, ouais. On va se perdre avec les noms. Hein. Allez, là on arrive au mini-boss. Là ça y est. Je te le dis, c'est mini-boss. Parce qu'en gros, du coup, vu que le pont on est nous aider. Bah, vu que le pont est cassé, on va nous faire un pont singe. Je vois. Un pont aussi. Voilà. Voilà, c'est ça. Chacun son tour. Donc c'est, on répète. Donc alors, attends, c'est Jamie, Jean-Louis. Ludivine, Francine. Ludivine, Francine. Voilà, il faut que ça sonne en I-in à la fin, tu vois. Genre les noms. Pour les prochains. Ah, y'en a d'autres. Bah oui. D'accord. Je crois que t'as une vingtaine de singes au total. Sérieux? Ouais. On va se perdre. J'ai enlevé les îles, France, on tire, on retire. A la fin, pour la salle du boss, t'as un peu le même pont que là, mais genre, t'as un pont de... Tu fais des coups des stocks dans le vide. Non, j'ai récupéré... Ah, salle noire, je dirais mini-boss. C'est un peu là qui s'est caché. Et c'est un peu dans du bois, genre, du coup, quand tu sors ta lanterne, t'es censé brûler tout, tu vois, et mourir avec. Ouais. Oh tiens, ah oui, il a pas les fesses, lui. Ah bah non, mais il va en prendre littéralement. Si t'as montré aussi vu les boomerangs. Non mais il va en prendre littéralement, je crois que t'as pas compris comment se faisait ce mini-boss. Ah mais vraiment. Ah bah oui, tu lui tapes les fesses, vraiment. Ah si, t'as fait les fesses rouges. Et la vie de s'enchanter. Regarde, en plus il nous l'a dit, tu vois. Aussi, hein. Alors déjà... Ah, alors, je t'explique comment ça marche. Faut attendre qu'il se stabilise, tu vois, comme ça. Si tu déstabilises, ok, et tu fais tomber. En gros, c'est l'idée. Voilà, il faut qu'il se prenne en gros son bourrin. D'accord. Tu vois? Ah, c'est vraiment le boss world de son. Ouais. Et après, tu tapes les têtes comme ça. BAM! La vengeance. Ouais, il attend que tu le laisses forcer d'abord. Ouais, ça, il veut juste éloigner. Voilà, hop. Et là tu tapes, tu défonces les têtes comme ça, bam bam. Et il est parti. Plus la musique, il brûle vraiment what the fuck. Ça aurait été sur Nintendo, tu vois, tu vois le truc. Bam bam. Allez, encore en plus, ça devrait être bon. On va faire des coups de lame sur les têtes, ça va pas mal. Bah je sais pas, écoute, tu veux qu'on essaye. Mais c'est quoi ce boss? Voilà. Ah. Non mais non mais non. Et en fait il avait une petite araignée qui le contrôlait, en fait il est gentil. En fait c'est un gentil singe. Ouais. Mais du coup là il est redevenu gentil, tu vois, parce qu'en fait c'était la petite. Ah, il a une tête bien rose maintenant. La grosse victime. Voilà, donc ça c'était Alpha. D'accord. Et la magie, le boomerang noir devient blanc. Et on a une nouvelle arme. Je suis la fée des vents, je réside dans ce boomerang.
Vous m'avez libéré de cette force maléfique et grâce à vous, j'ai pu recouvrir mes vrais pouvoirs. Je vous en prie, à travers ce boomerang, mes pouvoirs sont à votre service. Si vous concentrez votre force avant de relâcher le boomerang, la force du vent pourra vous venir en aide de bien des manières. Ah, c'est tout ça, mais un peu c'est ça, en gros, c'est un boomerang tendu. C'est objet magique abrite la clé des mains. Un peu craqué, quoi. Putain, un peu. Non. Vraiment, c'est très bien au début, mais après ça devient vite pour eux. Bah, c'est useless quoi, c'est comme dans tous les Zelda. Tous les gens ils sont utilisés dans un. Bon, les singes ont eu ce qu'ils voulaient, je suppose. Tu as trouvé un objet bien pratique, ma foi. Retourne dans les salles que tu as déjà visitées et continue tes recherches. Donc, attends, je vais l'équiper. Boomerang en attaque. C'est parfait. C'est parfait, sortir. Et du coup, alors là, si j'arrive à vraiment aligner mon capteur. Eh, j'y arrive. J'y arrive. En fait, je crois que c'est toi qui gêne. Voilà, et en gros, donc là, soit je peux tirer directement avec B, tu vois, un peu comme ça. Bon, là, ça va juste déverrouiller un cran de porte, tu vois, donc c'est pas grand-chose. Soit, tu peux faire... Tu peux verrouiller avec Z. Oui, tu peux verrouiller avec personne à la fin du jeu, si je me rappelle. Ouais, voilà, tu peux verrouiller jusqu'à 5 cibles, et après, tu peux ouvrir comme ça. Et c'est pour allumer les torches aussi. Ça peut éteindre les torches. Et les allumer. Non, vous allumez, non. Ah, par contre, faut vraiment que je reste en face du capteur. Ça c'est relou comme capteur, mais Hop. Enfin, en gros, je vais juste faire ça 3 fois. Hop, voilà, et du coup, la porte est ouverte et c'est tranquille. Et ça va être très très pratique parce que du coup, ça nous permet de rotationner les ponts. Tu sais, les fameux ponts à hélice. Donc en fait, on va pouvoir explorer tout le reste du temple. Je vais juste, avant qu'on se quitte, retourner dans la salle principale du temple. Aller chercher le coffre qui nous nargue depuis le début. Pareil, ça peut trancher les petits fils, tu sais, qui étaient en l'air, si t'avais pas raccroché comme ça. D'accord. Et je me suis fait brain par le jeu. Donc en fait, c'est toi qui iras le faire. Parce qu'en gros, je peux plus repasser par là, les singes sont plus là. En gros, il va falloir utiliser les ponts qui sont là et retourner, mais tu retourneras du coup dans la salle où il y a les fragments de cœur, c'est toi qui feras ça. Donc écoutez les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, des familles. Ensuite, tu commentes, ça te plaît. Abonne à la chaîne, hein? Bon, je sais pas pourquoi je précise pas. Bon, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. À vous abonner à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois pour la fin du premier temps. Ici, ça vous vient. Et à la prochaine! À la prochaine, tout le monde! Bye bye!